Les bouées de sauvetage approuvées ont une forme ronde dont le diamètre extérieur doit être de 610 mm ou de 762 mm. Un cordage flottant d'au moins 15 mètres doit y être attaché. Pour la déployer, vous devez tenir ou mettre le pied sur le cordage et lancer la bouée par-dessus la tête de la personne qui est dans l'eau pour éviter de la frapper. La victime peut alors la prendre et être ramenée vers le bateau. Le fait que la victime puisse s'agripper à la bouée et flotter grâce à celle-ci est un avantage certain. Lorsque vous préparez l'installation de la bouée, assurez-vous que le cordage soit suffisamment lâche pour qu'il se déroule sans s'en mêler lorsque vous lancerez la bouée de sauvetage. Pour être efficace lors du sauvetage d'une personne à la mer, à l'aide d'une bouée de sauvetage, il faut qu'elle soit facilement accessible et que son cordage soit libre de toute entrave. Dans le cas où vous n'avez pas de bouée de sauvetage ou de ligne d'attrape flottante, vous pouvez vous servir d'un câble de remorquage pour le ski nautique. Ce type de cordage, qui excède une longueur de 15 mètres et qui est pourvu d'une poignée, se lance bien. De plus, sa poignée permet à une victime de s'y agripper pour être ramenée vers le bateau et la sécurité.